Bonjour et bienvenue pour un nouveau guide vidéo. Alors nous allons voir comment battre le marchefrit Chou et power leveler un pet dessus. Bien le bonjour. La prochaine est pour moi. Donc sur ce combat, j'utilise en fait Chichi et une petite étoile de fer. Et le pet à leveler, il passera en deuxième position. Ou si c'est un lapinou, ça peut être n'importe quoi. Il faut qu'il soit, je dirais, au minimum level 10 de façon à ce qu'il puisse encaisser un certain nombre de dégâts. Donc ici, vous allez commencer avec Chichi, avec la frappe alpha. Là, vous remettez une deuxième frappe alpha. Là, il va vous mettre le tourbillonnement. Vous utilisez la tranquillité. Et maintenant, on utilise l'esquive, donc les terriens, pour éviter le tourbillonnement. Pendant ce temps, la tranquillité marche, vous remontez full PV. Hop! La frappe alpha. Vous remettez une petite tranquillité. Voilà. Donc là, vous utilisez maintenant l'esquive pour éviter le tourbillonnement et en même temps on va éviter la météo. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous maintenez la tranquillité toujours. La frappe alpha, toujours pareil, on change pas une technique qui marche. On remet toujours la tranquillité. On remet, il n'y a plus la météo, donc on en profite, la frappe alpha. Et là, on l'achève. Donc maintenant, on va pouvoir switcher de pet, même si vous avez encore suffisamment de PV. Avant de switcher, vous remettez une petite tranquillité. Comme ça, les pets qui vont arriver vont pouvoir être healés en même temps. Et en particulier, si vous avez un pet petit niveau, ça peut être intéressant. Donc là, on switch avec le pet à level up. Voilà. Ensuite, on fait rentrer le dernier pet qui va tout finir, donc la petite étoile de fer. Donc là, on fait un remonté. Le supercharge. Et on finit le combat avec le remonté. Et voilà! On a battu le marchefrit Chou. À bientôt pour un nouveau guide.